J'ai payé 60€ pour tester Flunch. Quand je suis rentré dedans, j'ai eu l'impression d'être dans une maison de retraités. Même Choi était choqué. La moyenne d'âge était à au moins 50 ans. Et je peux le comprendre, il y a vraiment personne qui va dedans. Le restaurant a énormément de mal et il y a plus de 40 restaurants qui ont déjà fermé. Pourtant, le choix à l'intérieur est très varié. Il y avait énormément de desserts et de repas et la grande particularité, c'est que tu peux te servir des légumes en illimité. Le souci, c'est que ces fameux légumes vont te faire rappeler la cantine du collège. Avec des frites super molles ou encore même du riz pas du tout assaisonné, c'est pas la folie du tout. Même constat pour le poulet qui était tout petit. J'étais à deux doigts de partir sans finir. Mais c'est là que Flunch m'a totalement choqué. Avec leur burger au poulet, je vous le jure, il était excellent. Choi l'a même comparé au burger de Pepe Chicken tellement c'était bon. Et la surprise n'était pas terminée. Avec leurs desserts qui sont à tomber par terre. Notamment avec leur fondant au chocolat dégoulinant de générosité.